et l'équipe. Merci Eric. Un test match est toujours une bonne occasion pour comparer les forces et les faiblesses de ces collectifs. Le mot test match vient d'ailleurs de cette notion de confrontation qui, avant la Coupe du Monde de 1987, opposait les équipes nationales hors des compétitions officielles. Un fait intéressant, il faut dire qu'à l'époque, les occasions de rencontres de ce niveau étaient moins encadrées. Est-ce que vous pensez que l'équipe d'Écosse va pouvoir s'en sortir face aux joueurs de la France qui, si l'on regarde leurs statistiques, ne sont vraiment pas en reste? Heureusement, et comme vous le savez, rien n'est jamais joué d'avance au rugby. On peut toujours avoir une surprise. Bien qu'étant actuellement en dessous de son rendement habituel, la France fait partie des nations majeures du rugby. Célèbre pour son French flair, elle a su créer des exploits retentissants par le passé et inspire toujours autant la crainte chez ses adversaires. Il n'y a plus beaucoup de soutien. Allez, on attend toujours le coup d'envoi. Il semblerait qu'il prenne un peu plus de temps que prévu. Premier lancé du match pour l'Écosse. Bien la prise de balle. Belle passe après contact, mais risquée. C'est un ruck pour la France. Un beau décalage sur le côté. Ça va être un contest. Il converge vers le ruck. Les intervalles qui s'ouvrent sur les extérieurs. Baye qui vient essayer de contester. Olivon qui casse le plaquage. Le ballon est conservé par la France. Et il parvient à libérer malgré le contact. Quel essai! C'était audacieux et ça a payé. Regardons à nouveau cette action. Ils n'ont rien lâché et se sont imposés sur cet essai. Très beau travail. Beaucoup de concentration sur cette préparation de coup de pied. Le ballon est parti un petit peu trop sur la gauche. La passe. Il faut venir au soutien. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. La tentative de plaquage de Kinghorn qui ne donne rien. Ballon toujours pour la France. Dupont, la passe. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Ils ont encore le contrôle du ballon. Dupont fait circuler le ballon. Rates, servi à l'extérieur. Les joueurs forment une mêlée spontanée. Ils parviennent à conserver le ballon. Des espaces se créent sur les extérieurs. Et les avants forment un ruck. Les joueurs de la France vont garder ce ballon. Belle vitesse d'exécution sur cette passe. Point de fixation pour l'attaque. Il conserve le ballon sur ce ruck. Le jeu de passe. Magnifique plaquage de Watson. Passe manquée. Il ne s'est pas appliqué sur ce plaquage. Ça circule bien. Attention, danger là sur l'extérieur avec l'échappée de Vakatawa. Vakatawa mis au sol par Kinghorn. Mauvaise passe. Ah, c'est un plaquage haut, ça, ça vaut un carton jaune. Ficou s'est fait sécher sur ce plaquage haut. Espérons qu'il ne soit pas blessé. Et carton jaune, dit monsieur l'arbitre. Un coup de pied à tenter pour cette pénalité. Pénalité réussie qui vient ajouter 3 points au score de la France. Pas facile ce raffut. Bien mis au sol par le défenseur. Ils ont conservé ce ballon. La sirène retentit, ce qui veut dire que nous sommes maintenant dans les arrêts de jeu. De l'Écosse nous a montré davantage de présence, on va dire, dans les rencontres précédentes que celui de la France. Les performances en mêlée d'un match à l'autre ne sont jamais linéaires, donc attention aux surprises. Vous avez raison, on en saura sans doute un petit peu plus sur l'engagement des deux packs au terme de cette mêlée. Regardez le travail dans l'axe du paquet d'avant.
sur l'extérieur pour Vakatawar. Il conserve le ballon. Attaque de stopper, formation d'un ruck. Beaucoup de soutien dans le ruck. Belle offload sur cet enchaînement. Un ruck qui s'est formé. Ballon toujours entre les mains de l'équipe de France. Leroux qui passe son ballon alors qu'il est plaqué. Le groupe pénétrant de la France vient de se constituer. Progression stoppée du pack de la France. Vakatawar qui s'en sort avec un raffut. Bon raffut. Un ruck annoncé par l'arbitre. Ballon toujours en possession. Il passe la balle. La balle circule bien. Attention, ça va être un ruck. Faudrait aller sur les ailes. Une mêlée spontanée se forme. Ça reste un ballon pour la France. Olivon passe au contact pour Ficou. Ils rejoignent le môle afin d'apporter du soutien. La progression du pack est stoppée. Thomas qui s'échappe sur le côté. Thomas plante cet essai. Et voilà la délivrance. Enfin, l'essai tant attendu. Oui, on va revoir ça en vidéo. Le moteur se prépare à transformer l'essai. Ah, ça ne va pas passer, c'est trop à gauche. On en restera à 13 à 0. Là. Arbitre siffle la mi-temps. Coup de sifflet qui marque le début de la seconde mi-temps. Mauvais timing sur ce plaquage. Ils ont encore le contrôle du ballon. J'ai l'impression que ça s'ouvre à l'aile. Faut venir vite déblayer ce ballon. Il y a de l'espace sur l'extérieur. Et formation d'un ruck. Ils ont soigné la conservation du ballon. Ils créent un point de fixation. Une mêlée spontanée se forme. Ballon toujours entre les mains de l'équipe de France. Fait circuler le ballon. Il y a une opportunité sur l'extérieur. Un ruck qui s'est formé. Il garde la possession du ballon. Il passe le ballon. Il est mis au sol, il va falloir libérer. L'équipe de France a encore le contrôle du ballon. Jouer sur l'aile, ça pourrait être payant. Thomas qui s'arrache pour planter cet essai. Et les spectateurs ne doivent pas regretter d'être venus assister à ce beau match. Superbe action qui se conclut de la plus belle des manières. Cet essai ne souffre d'aucune contestation possible. On va profiter de ce moment pour faire rentrer un remplaçant. Ballon frappé, mais qui part trop à droite. Ballon capté. Ça va être un contest. L'attaque conserve le ballon. La défense ne couvre pas bien les extérieurs. Bonne défense. Parvient à conserver ce ballon. Ils vont contester ce ballon. Ballon toujours pour la France. Il transmet son ballon. Il faut venir au soutien. Le ballon est conservé par la France. Transmission de la balle. Bien quoi faire sur les ailes. Il est arrêté. Ballon toujours en possession. L'arbitre laisse jouer. Il a de l'espace sur le côté pour Thomas. Attention, ça va être un ruck. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. Mêlée spontanée. Ils parviennent à conserver le ballon.
Oh, quel plaquage! Il conserve le ballon. Baye parvient à libérer la balle malgré le plaquage de Baye. Ils ont conservé ce ballon. Et on arrive dans les arrêts de jeu de ce match. Ils ont toujours un avantage. Un coup de pied qui vaut 3 points. Oui, parfaitement beauté. On a donc un score de... Et le match est fini. Victoire de la France. Sur cette victoire de la France. Il faut dire que leurs adversaires ont bien su prendre l'ascendant au cours de cette rencontre. En effet, c'est une victoire sans aucun doute méritée. J'ai pris énormément de plaisir à vous commenter ce match aujourd'hui. Rendez-vous au prochain match. À mes côtés ce soir, dans le box des commentateurs, j'ai l'honneur d'accueillir Thomas Lombard. Allons, pas même une petite idée. Il faudra attendre de voir ce que les joueurs ont à offrir aujourd'hui sur le terrain pour y voir plus clair. En tout cas, cela nous promet une rencontre très disputée. Dans quelques instants, le début de cette rencontre. Il tape ce coup d'envoi bien haut, avec beaucoup de puissance. Attaque stoppée, formation de ruck. Première touche à suivre. Ball s'empare du ballon sur cette touche. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Ah, ils ont perdu le ballon là. Un ruck annoncé par l'arbitre. Une bonne circulation du ballon. Il accélère le long de la touche. Alfeni rate son plaquage. Bonne circulation de balle. Il n'y a plus beaucoup de soutien. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. Plaqué par la défense. L'attaque conserve le ballon. Oula, attention, plaquage haut. Il n'est probablement pas content d'avoir pris ce carton jaune, mais c'est mérité, 10 minutes sur le banc. Apparemment, ce sera une touche à 5. Excellent lancé du talonneur. Ça peut aller au bout, cette histoire. C'est aplati, ils l'ont fait. Ils se devaient de le tenter, ils n'ont pas tremblé, ils l'ont fait. Cela fait plusieurs minutes qu'ils dominaient et les voilà enfin récompensés. Transformation à suivre. Non, ça ne passe pas. Il est dessous, impeccable.
passe la balle pendant le plaquage. Faut aller au large. Bien repoussé. Les joueurs forment un roc. Ils ont encore le contrôle du ballon. Le ballon circule bien. Et les avants forment un roc. Ils conservent le ballon sur ce roc. Passe. Le décalage est fait sur les extérieurs. Il faut aller au bout. C'est magnifique ce qu'ils ont fait sur cet essai. C'est vraiment le genre d'action que le public aime voir, et nous aussi. Ben oui, Eric, et puis c'est tellement bien exécuté que c'est imparable. Allez, c'est transformé. 12-0. Et ça finit dans ses bras. Il crée un point de fixation. Il garde la possession du ballon. Point de fixation pour l'attaque. Ballon toujours en possession. Et formation d'un roc. Ils parviennent à conserver le ballon. Et c'est un roc. Ils conservent le ballon. Ils devraient tenter un coup sur les ailes. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Ils ont conservé ce ballon. Ça va être un contest. L'attaque conserve le ballon. Attention au coup de pied de pression. C'est un ballon impeccablement capté par Adams. On entre maintenant dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Point de fixation pour l'attaque. Alignement complet décidé par le capitaine de touche. Ballon conservé sur cette touche. C'est un môle qui vient de se former. La progression du pays de Galles stoppée par la défense. Ballon bien gratté par la défense. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Nouveau point de fixation. Le contest en puissance de Ball. Ça fait bien circuler la balle. Mauvaise transmission de balle. Coup de pied rasant. Voilà, la première période de ce match est terminée. Encore 40 minutes. Avant la conclusion de cette rencontre, voyons si le pays de Galles parvient à revenir dans la partie. Belle dextérité sur cette passe. Porteur de balle mis au sol. Jeu au pied dans la boîte. Adams pour récupérer ce ballon. Peel bien capté. Il y a eu faute, mais on va jouer l'avantage. Première mêlée du match. Mêlée à jouer dans la moitié de terrain du pays de Galles. Flexion. Jeu. Récupération propre du ballon par les avants. Ballon récupéré par le pack sur cette mêlée. Ça va jouer avec le numéro 8. Ouais, c'est bien joué ça sur le côté. Plus rien ne peut l'arrêter. Et c'est un bel essai qui est planté. Ils ont mis toute l'intensité nécessaire et sont récompensés par ce magnifique essai. Bravo! Ils n'ont pas hésité une seule seconde et ont saisi l'opportunité de marquer un très bel essai. Il va y avoir un changement de joueur. Allez, il y a 2 points de plus à prendre sur cette transformation. Je rappelle, 17-0 pour le moment entre les deux équipes. Oui! 19-0. Quelle précision de la part du buteur. Il capte bien ce ballon. Très bon offload. Tentative de plaquage. Il crée un point de fixation. Il conserve le ballon sur ce roc. Bien capté. McNichol. Plaquage pas assez agressif pour l'arrêter. Ballon toujours en possession. Ballon capté par Alf Penny.
Ballon bien capté. Il s'applique à bien faire circuler le ballon. Un ruck à disputer. Il conserve le ballon. Passe mal effectuée. Un ruck annoncé par l'arbitre. Il passe le ballon. Il y a un coup à jouer sur les extérieurs. Ils vont contester ce ballon. Ils ont conservé ce ballon. Le ballon est transmis. Il y a une opportunité sur l'extérieur. Il va. Quelle action extraordinaire qui amène à cet essai. Il fallait le tenter. Ils l'ont tenté. Ça marche parfaitement. Quelle action! Alors, il semblerait qu'il y ait eu des changements au cours de ce temps mort. En effet, on a pu voir le remplacement de quelques joueurs probablement fatigués. Que c'est mal frappé, manque de puissance sur ce coup de pied. Réception propre du ballon. Ça joue au pied. Ils vont chercher l'essai. Récupération parfaite de la passe au pied. Hill qui s'échappe sur le côté. Et il subtilise le ballon dans le ruck. Et les avants forment un ruck. Il garde la possession du ballon. Des espaces secrets sur les extérieurs. Et formation d'un ruck. L'attaque conserve le ballon. Et le ballon est intercepté par Adams. Et on entre maintenant dans les dernières minutes du match. Pénalité à suivre. Oh non! Quel manque de puissance incroyable sur ce coup de pied de pénalité! Ah, il doit régler la mire. Le prochain, il ne peut pas nous le rater. Au terme de cette rencontre, le score montre une réelle différence entre les deux équipes.